Volonté, tu vas au film de Bible. Demandons au jeune couple de nous asseoir. Asking the young couple to sit down. Alors que vous êtes bien habillés. So you got well dressed. Merci beaucoup. Amen. Nous allons lire dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Nous lirons à partir du premier verset, à partir du chapitre 2, verset 15. We'll read from the first until chapter 15. La Bible dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. The Lord God took the man and put it in the garden of Eden to multiply and keep it for. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. And the Lord said unto the man that you can eat every tree in the garden, except the day you will eat, you will die. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. And the Lord said, it's not good for the man to be alone, I will make him a helper like him. L'Éternel Dieu forma de la terre tout. Les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. And the Lord formed of each tree all the fear and called him and called all the animals to me the name he was going to give them. Vous asseoir, je vais continuer la lecture. You may sit down, I'm going to carry on the reading. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. And he gave the name unto every fish, for the animal and the bird, but for the man you cannot find a name. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. And the man had a deep sleep come upon Eden, make him sleep and do the trip and go his back. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. And the Lord formed a woman with the rib and take from the man and said, this time, she's going to be called both of my bone and flesh of my flesh because she's been taken from the man. C'est pourquoi l'homme quitta son père et sa mère. Il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife and shall become one flesh. Que Dieu bénisse sa parole. And God bless his word. Et qu'il bénisse aussi tous. And bless all of you. Et je suis content de vous voir ce soir. I'm glad to see you tonight. Cet après-midi. This afternoon. Parce que j'ai revenu d'un voyage. Because I just journeyed back. Merci pour vos prières. Thank you for your prayers. Je voudrais parler, vous exhorter juste un moment. I would like to give you a little recitation sur le mystère de l'unité. About the mystery of the unity. Et je ne vais pas être trop long dans la prédication. And I won't be too long into the preaching. Je vois que les gens sont un peu fatigués. I see people look a little tired. Et je ne prêche pas, mais je vous exhorte. I'm not preaching, I'm just giving you a recitation. Le mystère de l'unité. About the mystery of the unity. Tout ce que nous avons ici sur la terre a eu un commencement. Everything we got here on earth got a beginning. La Bible dit, il n'y a pas de nouvelles choses sur la terre. And the Bible says there is no new thing on the earth. Ce qui existe a toujours été. What exists always been. Il n'y a pas de nouvelles choses sur la terre, a dit le plus sage Salomon à part Jésus. There are no new thing on the earth, so the wiser Salomon beside Jesus. Donc si aujourd'hui on parle du mariage sur la terre, c'est que le mariage a existé. If today we talk about the wedding on the earth, it means it existed. Et comme vous le savez bien, le mariage c'est une institution divine. And how the whole Lord the wedding is a divine institution. Dieu là-bas au commencement, il avait créé un homme, il a créé une femme. God in the beginning created both a woman and a man. Et nous savons que dans la création, il avait créé les animaux, il a créé les oiseaux, il a créé des animaux aquatiques et tout genre de choses. And we know in the creation, even the fruit of the leaf, the ground and everything. Même les arbres aussi sont en couple. Even the trees got into couple. Vous ne verrez pas une bananière qui va donner donc naissance à une pomme. You won't say banana planting, we're gonna give birth to a tree. Ils sont pas de la même sémence. Because they do not belong to the same seed. Et là-bas au commencement, and over there in the beginning, tu as trouvé bon que tout.
ainsi que tout soit en couple. God find good that all the frogs be in couple. Et il les a créés en couple. And he created them in couple. Et Dieu a donné l'ordre multiplier, de les multiplier. And God gave them the order to multiply themselves. Et il a mis un homme qui était au-dessus de toutes ces espèces. And he put the man above all the kinds. C'était Adam. He was Eden. C'est pourquoi la Bible nous montre. That's why the Bible shows us. Tous les vivants. But Adam is the father of all the living ones. Et Eve est la mère de tous les vivants. And Eve is the mother of all the living. Tout cela, c'était là-bas au commencement. Everything was in the beginning. Et si nous pouvons commencer à pénétrer les Écritures, and if you're going to check on the scriptures, vous allez voir que tout ce qui n'était pas à la ressemblance de Dieu était en couple, sauf l'homme. You're going to see everything not to the likeness of man was in a couple. L'homme n'était pas en couple. The man was not in couple. L'homme était seul. Et cet homme qui fut créé là-bas au commencement, and the man created it to the beginning, il ne s'appelait pas Adam. He didn't call Adam. Adam, c'est un nom qu'il a reçu dans le temps. And that is a name he received in time. Behind the time. Behind the time. That's another moment. There is another moment. C'est que nous appelons l'éternité. What we call everlasting. And if you look closely, over there in everlasting, Adam s'appelait Ish. Eden called Ish. Eve n'était pas, n'existait pas. And Eve does not exist. Mais Eve était cachée dans son mari. Eve been hiding to her husband. C'est là au commencement, c'est comme ça que ça a été. Is there in the beginning the way it used to be? Et le premier homme qui fut créé n'était pas un homme de chair. The very first man who been created was not made from flesh. Il était un homme esprit parce que la Bible dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. He was a spirit man with the same pattern to likeness. Et Dieu est esprit. And God is spirit. Le premier homme qui fut créé était un homme esprit. The very first man being created was spirit. Il n'avait pas de chair. He had no flesh. Et son corps était semblable au corps des anges. And his body was like one of the angels. C'est pourquoi quand vous allez regarder dans votre Bible, that's why when you're going to look into your Bible, à partir du premier jour de Genèse 1 jusqu'au Genèse 4, from the first day from Genesis 1 to 4, vous ne trouverez pas là où on fait mention de la création des anges. You won't find this mention of the creation of the angels. Et pourtant les anges sont les êtres qui existent. Though the creation of the being existed, et leur origine c'est dans l'éternité et non dans le temps. And the origin is into those stars. Oh, il y a eu le premier homme qui a été créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. And he been created in the likeness of God. Et cet homme-là on l'appelle dans le langage théologique Ish. That's man being called. And his wife called Isha. Ils étaient tous deux dans l'unité. But they were both into unity. En d'autres termes, la femme était cachée dans le mari. In other words, the wife been hiding into the husband. Et le mari ne pouvait pas voir la femme parce que la femme était en lui comme étant l'esprit. And a woman cannot be seen because she was in the spirit. Alors, lorsque Dieu a créé toutes choses qui existent maintenant, and has God created as everything existing now, Dieu a jugé bon que l'homme puisse cultiver la terre. God judged was good long to have the earth. L'homme ne peut pas cultiver la terre s'il est encore esprit. L'homme ne peut pas cultiver la terre s'il est un homme esprit. C'est pourquoi il est tellement préférable que l'homme puisse devenir chair afin d'accomplir le travail que Dieu l'a ordonné de faire. I was saying the man cannot harvest the earth because he was a spirit man. Before walking the earth, he has to be a flesh man. That's why the Almighty God, he cast the man from the everlasting, came into time, and he formed a body of flesh. Going from the 16th element of the earth. And he pulled that man. Then that man is be called Adam. What means man extracted from the earth? Over there in eternity was not Adam. Because he was not to the likeness of the animal. He was unto the likeness of God, and God is spirit.
temps afin de le revêtir d'être le chair. Before God was putting time for rust in the flesh. Pour que celui-ci puisse cultiver la terre. So this one may harvest the earth. Je pense que vous comprenez très bien. I think you all understand me. Alors, je voulais que la femme était cachée dans l'homme. As I just said, the wife had been hiding the man. Et l'homme ne pouvait pas le voir. And the man could not see her. Donc peut-être qu'il était dans l'unité, dans l'éternité. You know the word of being united into eternity. Quand ils sont sortis dans le temps, when they came out into time. Dieu a fait plonger l'homme dans un sommeil. God had the man fall into a big sleep. Et il a tiré la femme de l'homme. And he extracted the woman from the man. Il a tiré sous forme de la côte. He extracted her under the form of the reed. That one, each man exists on the earth. The man has a leg grip. And that liking grip, that's making the woman. Then I'm going to tell you this. As in the beginning, they were one. When they came into time, God split them apart. Now to say them staying alone. He extracted the woman from the man. Extracted the feminine spirit within the man. And he made up a body so to become a woman. You're going to agree with me? When men were seeing all the fruitless and animals. He never said this time you are the flesh of the flesh and the bones of my bones. And they had the revelation that the animal people kept marrying as not men to the likeness of man. So what is done? He was walking into the Garden of Eden. And God saw the need within Eden's heart. And he could not let Adam into the burden. That's why God created a woman to the likeness of man. Man has been created unto the likeness of God. And a woman be created on the likeness of man. You know the word is God ruling over man. And a man ruling over the woman. And God he said before creating he was one with the man. Because God cannot impose us unity if he's not one with the man. The unity God has with the man when he was spirit. That's what's fulfilled when Jesus Christ came on the earth. But one of Jesus and man was God. Jesus said, the one who saw me saw the Father. For now we saw him and we know him. That unity must exist between the woman and the man. And when the woman is manifesting, alors l'homme est satisfait. Then the woman gets satisfied. Je vous ai dit que l'homme était incomplet sans la femme. You know, the pastor, I haven't found. But this time, was
des os. And bones of my bones. On l'appellera femme. She gonna be called woman. Parce qu'elle a été tirée de moi. Because she's been extracted from me. Mon problème c'est celui-ci. My problem is this one. Dieu n'a jamais dit à Adam que cette femme-là, cette façon que tu vois, est tirée de toi. God never saw to any other person who saw being extracted from me. Comment Adam peut dire que celle-ci a été tirée de moi? I come in and say this one being extracted from me. La révélation. That's what we call into the theory of language revelation. Et la révélation, c'est quelque chose que Dieu vous dévoile. And revelation is something that God revealed. La chose, c'est un mystère. The things were the mystery. Mais là, Dieu vous dévoile la chose. God revealed. Et tu peux voir. And you can see. Que cette personne ici est semblable à moi. That this person is like me. Je vous l'ai dit. And then man. Voici un autre nom. Behold. N'amènera jamais Adam à frapper Ève. Dis ta main. Révélation n'amènera jamais Adam à dormir dehors. Révélation n'amènera jamais Adam à voir une copine. Révélation n'amènera jamais Adam à chasser Ève. Parce que c'est lui-même qui a dit cette fois-ci. Because himself said this time. Voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Behold the one bones of my bones and flesh of my flesh. La femme. And she be called woman. Parce qu'elle a été tirée de moi. Because she's been extracted from me. Et dans le mariage. And into the marriage. S'il n'y a pas cette révélation. If there is no that revelation. Il montre à l'homme que cette femme est sortie de toi. Ou bien c'est une partie de toi. Show to the man that she's I've been extracted from you. Si vous vous mariez, vous aurez des problèmes. If you get married, you're gonna get trouble. Parce qu'on ne peut pas épouser quelque chose qui n'est pas de la même nature que toi. Because we cannot marry something from the same nature. On ne peut pas épouser quelque chose qui n'est pas une partie de toi. We cannot marry something not a part from you. Vous aurez les problèmes tous les jours de la vie. You're gonna get into trouble each day of life. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? What I mean to you. Je voudrais vous dire ceci. I would like to tell you that this. Si vous n'êtes pas uni avec votre épouse par la révélation, if you are not joined with your wife by the revelation, si Dieu ne vous dévoile pas que celle-ci est ta femme, if God does not reveal that this one is your wife, et que celui-ci est ton mari, and this one is your husband, vous n'allez pas tenir longtemps. You won't hold for long time. C'est ça la cause même des divorces. This is the very cause of divorce. C'est parce qu'on a pris un train de Franceville à Libreville. Because we took the train from Franceville to Libreville. Et là où je m'étais assis, c'est juste à côté d'une jeune fille que je ne maîtrise même pas. And I stood by a young lady that I even not mastered. Le dialogue commence. And here the shouting starts. Et on commence à draguer les autres. And we start talking sweetness. Et donc on descend, on garde le vélo. When we get out of vélo. On prend les bagages et on va chez le mari. And take the suitcase and go to the husband. Et vous restez là-bas, vous ne voulez pas sortir, vous restez là-bas une année, deux ans. And we stay together one or two years. Et vous commencez à proclamer, c'est mon mari. Start saying that is my husband. Tu n'as pas eu le temps de l'étudier. You haven't had the time to study him. Tu n'as pas eu le temps de comprendre d'abord les origines de cette femme. You haven't had the time to understand the origin of that woman. Elle sort de quel genre de famille? From which family she come from? Comment elle a grandi? How she grow up? Quels sont ses témoignages? What are her testimony? Quel genre de vie cette femme et cet homme a mené? What kind of life the man and the woman live? Vous n'avez même pas le temps d'aller faire des examens pour connaître sa statue. You don't have the time to go to the check-up to have a statue. Allez, vous vous retrouvez seulement comme ça et c'est tout, ça devient le mariage. And you find yourself in this is the marriage. Ce sont les mariages qui ne peuvent pas évoluer. There are men who cannot divorce. C'est pourquoi. Toi, le premier facteur pour le mariage. The first factor for the wedding. Révélation. It's a revelation. Et cette révélation engendre l'amour. And that revelation gives rise to love. Et lorsque je parle de l'amour, when I'm talking about love, ce n'est pas seulement le sentiment. It's not only in a feeling. J'insiste sur le fait que cette femme-là, lorsqu'elle fait quelque chose de bien, when she's doing something good, vous allez l'aimer. You're gonna love her. Lorsqu'elle fait quelque chose de mal, when she's doing something wrong, tu vas toujours l'aimer. You're gonna still love her. C'est ça le vrai amour. This is the true love. Je n'entends pas les amis. I can hear the amen. Le vrai amour, ce n'est pas seulement quand on veut faire des enfants. True love is not only when
L'amour, c'est quelque chose qui va au-delà de cela. Love is something going beyond. Même lorsque vous deviendrez de vieilles femmes et une vieille femme et un vieux homme. Even when you're gonna become old woman and old man. Si vos cœurs, vos deux cœurs, if both your hearts sont unis, God join. Dans la sincérité, into friendness, dans la révélation, into revelation, tu vas toujours considérer ta femme. You're gonna still consider your wife. Et tu vas toujours considérer ton mari. And you're gonna still consider your husband. Je vais vous dire que la pauvreté ne chasse pas l'amour. I'm gonna tell you, poverty doesn't cast away love. Et la stérilité ne chasse pas l'amour. And marriage doesn't cast away love. Lorsque la femme ne met pas monde, when the woman cannot be rich, on commence à voir les yeux ailleurs. C'est que l'amour n'était pas sincère. Nous avons l'exemple d'Abraham. We have the temple of Abraham. Avec sa femme, with his woman, ils ont passé toute une longue vie. They spent a long life. Pas d'enfant. No child. Mais le cœur d'Abraham, but Abraham has, se battait encore envers Sarah comme le premier jour ils sont retrouvés. Et lorsque Dieu a vu la sincérité du cœur d'Abraham, and when God saw the frankness of Abraham's heart, alors Dieu pouvait lui donner un enfant. Then God could give him a son. Ce n'est pas les enfants qui font le foyer. He's not the children men of the household. Ce n'est pas les enfants qui font le mariage. He's not the children men in the sinon, sinon Abraham aurait dû chasser Sarah depuis longtemps. Otherwise, Abraham would have cast Sarah long time ago. Mais parce qu'Abraham avait la révélation. Because Abraham had femme Sarah est une partie de moi. That woman Sarah is a part of me. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, je vais l'aimer comme ça. That should be good or mean, I'm gonna still love her. C'est là par la révélation ils sont unis. Through the revelation they got tonight. Et ils ne sont plus un couple du temps. And they are not a couple into time. Ils sont un couple éternel. They are a couple eternal. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Can we say amen to it? Et s'il y a une meilleure chose que Dieu a donné à l'homme comme cadeau, and if there is a best thing that God gave to the man as a gift, est une épouse. It's a wife. Je ne vais pas dire est une copine. I haven't said it's a girlfriend. Il y a une différence entre la copine et l'épouse. There is a difference between the girlfriend and the la copine, c'est une femme qui vit avec un homme, mais on ne l'a pas racheté. The girlfriend is a woman living with the man who has been redeemed. Ils vivent comme ça, donc il n'y a pas de rachat. Mais une épouse, c'est une femme qu'on a rachetée. En d'autres termes, on l'a honorée devant Dieu. You know the worshiping honor in front of God. Devant l'État. In front of the state. Devant les parents. In front of the parents. Ce n'est pas le mariage de la rue. It's not the wedding of the street. On se retrouve à mon père, on devient des amis, des copines. Et on a le courage de dire aux autres, voici mon mari. Ce n'est pas ton mari aussi longtemps qu'il t'a pas racheté. And we have the courage to say, your husband is not as long as I haven't redeemed you. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire amen dans la salle. I don't know if someone can say amen. Donc aussi longtemps que vous n'êtes pas unis par la vraie révélation et le vrai amour, ce mariage ne marchera pas. As long as you not get joined by the true revelation and true love, the wedding won't work. C'est ça qui fait la cause de toutes les divorces que nous avons sur la terre. This is the cause of all the divorces we have on the earth. C'est pourquoi avant de s'approcher d'une femme pour la prendre, as well, before coming close to the woman to take her, ce n'est pas la beauté extérieure de la femme qui va vous attirer. It's not the exterior beauty we're going to attract you. Si vous allez vous approcher, n'est-ce pas, de Lys à cause de la beauté petite, tu auras des problèmes. If you get close to Lys because of your beauty, you know, you're gonna get some trouble. Ah, c'est une belle femme. Hein? This is a beautiful woman. Dis amen si c'est vrai. Say amen if it's true. C'est vrai. It's true. Mais si tu t'approches d'elle à cause de la beauté extérieure là, if you got close because of that exterior beauty, tu auras des problèmes. You're gonna get into trouble. Le pasteur n'a pas dit que vous devez épouser les femmes vilaines. The pastor has said you should marry every woman. D'ailleurs, la beauté d'une femme dépend de celui qui l'aime. Does the beauty of a woman depend on the one you love? Vous allez trouver une autre femme vraiment, elle est vilaine, mais il y a un homme vraiment, quand il voit, il est en train de mourir. Non, c'est, il est attaché à ça. Mais le véritable, la vraie beauté d'une femme, c'est le caractère intérieur. And the true beauty of a woman is inside character. Cette femme, quand l'homme est fâché, that woman, when the man is mad, elle descend. She comes down. Often the women don't like to say amen to that part. Lorsque le mari se fâche, when the man gets mad, la femme descend.
the woman get low down. Lorsque le mari parle, la femme pleure. When the woman talks, she cry. Même si on l'a pas tapé. Even she haven't been beaten. Amen. Mais ce n'est pas la femme quand le mari parle, le mari a un mot. It is not the one when her husband says the word. Je ne sais pas si elle a l'ordinateur dans la bouche. I don't know if she got the computer within the mouth. Talking nonsense. Tu ne me connais pas. You do not know me. Va demander là où j'ai grandi. Ask where I grew up. Demande là où j'ai connu les têtes des hommes. The way I have people holding their head. C'est pas toi qui vas jouer avec moi. You're messing with the wrong one. Vous avez un démon. You are a demon. Parce que la Bible dit. Because the Bible says. La femme doit être soumise à son mari en toutes choses. The woman is to submit to her husband in everything. Toutes choses. Everything. Le mari n'est pas le rival. The husband is not the rival. Le mari est le chef. The husband is a chief. Franchement, je ne comprends pas. Truly, I do not understand. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette génération? What's wrong with this generation? Lorsque les femmes travaillent et vont au bureau, while a woman works and goes to the office, elle voit son chef, le directeur général ou bien, je ne sais pas, le directeur administratif. Oh, bonjour, chef. And see her boss, maybe the CEO. Morning, chief. Lorsque le chef arrive, when the chief comes around, you know the way she acts. Et quand on arrive à la maison, but when she gets home, là il y a pas de chef. There's no boss anymore. Le mari arrive, la femme arrive, tout le monde se voit. Here the husband's coming and knocking the shoulders. Il y a pas de respect. There is no respect. Il y a pas d'amen. Don't you say amen? La femme fait tellement de bruit à la maison. So the woman making so many noise at home. À cause d'un petit problème de rien du tout. Because of a little trouble of something. Lorsqu'elle récupère ça. When she took the whole of it. Ça commence à 18h. It start on to 8h. Elle est dedans. Midnight she's still in. Keep talking nonsense. Et prend les choses qui sont passées il y a 10 ans. Making things happen 10 years ago. Je ne sais pas si elle est une bibliothèque. I don't know if she's a bibliothèque. Elle est pas mère au temps présent. And she brings unto the present time. Tu sais, you know, l'année là, that year, 2012, je t'avais pardonné. I forgave you. 2015, 2015, je t'avais pardonné. I forgave you. D'ailleurs, ça a commencé en 2008. No, it started in 2008. Je ne sais pas quel cœur vous avez. I don't know what heart you have. Et vous faites semblant d'aller à l'église. And you seem to go to the et vous êtes incapable de pardonner quelqu'un. And you are unable to forgive someone. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Something is wrong. Tellement le bruit, ça dérange le mari. So the noise is troubling the husband. Elle prend ses choses, elle claque la porte et s'en va au travail. Then he takes his stuff, you know, slap the door and goes to work. C'est quoi, je vous pense, les choses qui se passent. What I'm telling you guys, the things happening. La femme va poursuivre le mari jusque dans la porte de la voiture. Tu penses quand même si tu pars au travail, tu pars au travail, je t'attends au retour. The wife's gonna run after the husband, waiting into the car. Wait, you figure out where she's going to be back. Le mari est mal à l'aise. Dites amen. The husband is uncomfortable. Say amen. Elle va au travail. Then he goes to work. Lorsqu'il arrive 15h ou 16h pour repartir, revenir à la maison. When 3 or 4 a.m. comes time to go home, il s'arrête à la route. And he stops on the street. Le propriétaire de la maison, the owner of the home. Il ne se sent pas bien de revenir chez lui. He can't feel comfortable to go home. Et la plupart des gens comme ça sont les gens qui prient. And most of the time as the people pray. Je me pose la question, quel christianisme vous confessez? I'm questioning what christianisme you confess. Le mari préfère mieux passer la nuit dehors. Spending the night outside, then coming back at his home, va lui faire du bruit. He's gonna have noise. Et une telle femme, quand le mari prend la décision de partir, and such a wife, when the husband takes the decision to leave, mes amis, je souffre dans mon bureau là. My friend, I'm having a hard time in my office. Vous voyez comment la femme va venir là. You see how the wife's gonna come. Oh, pasteur. Pastor. Je sais que Dieu est avec toi. I know that God is with you. Fais la dernière prière. Have the last prayer. La dernière qui te reste. The very, very last prayers. Quand vous suivez seulement. When you follow the pattern. C'est elle qui attend. He's the one who is trouble. Il n'y a pas d'amen. Don't you say amen. Le mari mange seul sur la table. The husband eats alone on the table.
Jamais depuis qu'il est marié avec sa femme, avec son mari, ils ne sont jamais mangés ensemble. Never since they got married, they ate together. Non, je veux la main de sœur. I want the heaven from the sister. Quand le mari se lave le matin, il sort de la douche pour prouver ses chaussettes, il va chercher. Mais les chaussettes là, j'ai mis ça où? Vraiment mon Dieu, le mari commence à chercher le matin, il fait aller au travail, il faut chercher d'abord les chaussettes parce qu'il y a une femme mal organisée à la maison. When the husband wakes in the morning, he has to think everything around because there is a misordonned woman. Qui ne connaît même pas où est-ce que le mari peut déposer la chaussette? Où est-ce que je peux prendre ça pour déposer un endroit quand elle veut prendre, elle, il ne cherche pas. Don't even know where she can pick up the sock, where the husband's gonna find it. Vous savez, ce sont les petites choses, des rien du tout qui cassent les mariages. You know, there are little things, you know, breaking the wedding. Ou qui enlève l'amour dans le foyer. And removing love within the household. Ou qui brise la communion entre l'homme et les femmes. C'est ça, ces petites choses. Or breaking the fellowship between the man and the woman, that's little things. Quand l'homme voit ça, ça ne va pas. When the man sees that, it's wrong. Que l'homme tombe aux mains des femmes d'aujourd'hui là. And when he falls in the hands of the women of today. Les femmes qui ont raté la vie. The women messed their lives. Et la dernière occasion se présente. And the last occasion shows off. Elle connaît comment elle a enduré pour rester dans cet état. She knows how she had a hard time to stay within that stage. Lorsqu'elle tombe sur ton mari. When she falls upon your husband. Mon bébé. Baby. Mon chéri, my honey, mon jambon de Paris, you know, my dinner from Paris, mon ange, my angel, mon petit cœur, my little heart. Lorsque le mari écoute ça, when the husband listens it, on ne lui a jamais appelé depuis qu'ils sont rentrés en mariage, jamais on l'a appelé mon bébé. He never be called since they got married, my sweetheart. Il y a déviation. You know, raise deviation. Je n'entends pas des amens dans l'église. I don't listen to him, man. Déviation totale. Total deviation. Et c'est toi qui vas souffrir. And you're gonna suffer. Mais si tu peux prendre cette femme, c'est un don que Dieu vous a donné, la femme, et c'est un don que Dieu vous a donné, le mari. It's a gift that God gave you, only it's a gift that the woman given by God. Vous savez, nous vivons dans un âge où le taux de célibat dépasse le taux de marié. We live in an age where the singleness is up to the marriage. Si Dieu vous fait grâce d'avoir un homme, Dieu vous fait grâce d'avoir une femme, il faut remercier l'Éternel. If you have mercy to have a woman and a wife, you must thank the Lord. Et ça, ce n'est pas quelque chose à blaguer avec ça. And that's not something to joke with it. Il y a une chose que tu dois prendre au sérieux, c'est le mari ou la femme. If there is something you must take seriousness, it's either the wife or the woman. Vous voyez? You see? Je parlais pas du comportement des femmes. I talk about the behavior of women. Vous avez écouté comment est-ce que les hommes ont dit amen? Oh, listen how the men said amen. Pour eux, ils ne voient que le mal vers les femmes. For them, they see the evil toward the women only. Comme eux sont des saints. It's like they call themselves a saint. Mais une femme ne peut pas devenir mauvaise si son mari n'est pas mauvais. When the turn came around,
Tu te laves. You clean yourself. Tu mets la veste. You put the suit on. La pauvre femme est en train de regarder comment est-ce que tu es en train de te saper. And the woman is looking as you dressing up yourself. Après tu prends la clé. Then you take the key. Tu ne dis rien. You say nothing. Parce que tu es chef. Because you are the boss. Tu vas rentrer dans la voiture, tu commandes la voiture, tu pars. Tu vas où? You get in the car, you start in. Where are you going? Et elle n'a pas le droit de vous demander, chérie, vous allez où? And she don't have the right to ask you, honey, where are you going? C'est toi qui me commandes. Are you the, my boss? Toi, tu me commandes. Are you my boss? Je dois te dire où est-ce que je vais. I should tell you where I'm going. Qui est le chef dans la maison? Who's the boss in the house? Ça, ce n'est pas un problème de chef. That's not a matter of being. C'est un problème d'amour. It's a matter of love. Il faut informer votre épouse dans les moindres détails là où vous allez. You must inform your wife into the least detail where you're going. Je vais entendre votre amen. I'm going to listen to your amen. Il y a d'autres choses que je ne veux pas parler. Other thing I won't talk about. The phone is ringing. Même si il est sur la table. Even he's on the table. Allô? Hello. Oui. Yes. Hello. Ah bon? Is that so? Donc c'est toi le frère qui a le cœur. So it's you, the brother with the heart. Oh, la femme est une, je ne sais pas quoi. And the wife is something I don't know. Premier appel, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. First ring, third and fifth one. Attendez un jour que la sœur, votre épouse, reçoive aussi l'appel vers 23h. Elle sort du lit pour aller à la douche écouter et répondre. What day your wife receives a ring at midnight and she goes out to receive. Vous allez la poursuivre jusqu'à l'heure. Hein? Qui parle là? You're going to pray after her. Who's talking to you? Non, c'est comme celle moi qui a le cœur quand tu n'as. Is that only her that have the not? Ce sont des comportements qui tuent les foyers. They have behavior killing the household. Ce sont des comportements qui tuent les couples. They have behavior killing the couple. Il n'y a pas d'amen? Amen. Amen. Premier. From the very first. Au 23. On to the 23. Il y a l'harmonie dans la maison. They have the harmony in the house. Il y a l'unité. They have the unity. Et dès qu'on arrive au 25, as soon as we come close to the 25, ici il a déjà viré la fonction publique a déjà viré l'argent. And the public function already sent the money in the bank. On commence à chercher des problèmes à la femme. We start seeking trouble onto the wife. Je n'aime pas qu'on dépose la chose là ici. I don't like to have that thing on. Je n'aime pas qu'on dépose ma chemise là où. Ma chemise là où. What is the scarf, the one I like the most? Dès que la pauvre femme, je ne sais rien, en tout cas je n'ai pas la main. En tout cas la maison, moi je suis fatigué la maison là-bas, je sais. As soon as when I say I'm in rush, I'm sick and tired of this home. Ça, c'est un esprit de vagabondage. That's the spirit of hanging around. Où est le problème de la chemise? Where is the trouble of the skirt? Pourquoi? Parce qu'il connaît que dans deux jours, il va, son salaire sera viré. Il faut créer le problème de la femme. Pour comme ça, il va partir et la femme n'aura rien. Why? Because, you know, in 2 days, his money is going to be around. He should seek trouble in the family. Écoutez-moi, mes amis. Listen to me, my friend. Ce sont des vrais messages comme ça qu'on doit prêcher dans les églises. There are the two messages you should be preaching. Ce n'est pas promettre aux gens la prospérité, promettre aux gens la guérison, promettre aux gens la délivrance. Si le cœur n'est pas changé, Dieu en vain. Dieu n'est pas là. God is not there. Tu ne peux pas avoir Dieu dans ton cœur. You cannot have God in your heart. Et haïr ton semblable. And hate your fellow. Votre épouse. Your bride. Il y a d'autres personnes même qui demandent que les femmes meurent pour qu'elles puissent se remarier. Other person even ask the woman to die so they get married again. Il n'y a pas d'amen? Don't you say amen? D'autres cherchent même que le mari meurt pour comme ça elle sera libre. Other think that the husband dies so she's gonna be free. Que Dieu aide cette génération. May God help that generation. Comme un homme. Comme un man. Qui a un cœur d'un homme. Who has a heart for a man. Peut abandonner sa femme et ses enfants. If I hear, can abandon both his children and wife and go elsewhere. Dans le cœur, ça ne vous dit absolument rien. So within the heart, they tell you absolutely nothing. Non, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. No, something is wrong. Je vais vous surprendre avec une petite déclaration. I'm going to surprise you with a little statement. Est-ce que vous savez que le péché originel, le péché du commencement, ce n'était pas les fruits que l'homme et la femme ont mangé? Don't you know that the sin, original sin, was not the fruit that men and women ate? C'était un acte sexuel. It was a sexual act. Le serpent a commis avec Eve. That the serpent committed with Eve.
Parce que quand ils ont péché, la Bible dit. Because when they sin, the Bible says. Dans Genèse 3. Into Genesis 3. Que Dieu a dit à la femme. That God said unto the woman. Je augmenterai les souffrances de ta grossesse. I'll raise up the pain of your birth. Et Dieu a dit à la serpent. And God said unto the serpent. Tu marcheras sur ton ventre. You crawl upon your belly. Le serpent du commencement n'était pas un reptile. The serpent from the beginning was not a reptile. Sinon Dieu n'allait pas lui dire que tu marcheras sur ton ventre. Otherwise God would have told him that. Le serpent du commencement a fait des pieds. The serpent of the beginning has legs. Le serpent qui a séduit Ève a fait des pieds. The serpent who seduced Eve had legs. Que Dieu n'a changé que Dieu a fait que changer son statut. That's why God only changing all his pattern. Mais c'était le même serpent. But it was the same serpent. Alors lorsque Dieu est arrivé, then when God came, il a donné les sentences à chacun. He gave each of them the sentence. Vous savez, you know, après que Ève a été connu par Adam, par le serpent. After Eve, after sexual intercourse with the serpent. Selon la loi de la Bible, l'homme doit chasser cette femme, l'a épousée une autre femme. According to the Bible, the man should cast away the wife and take another one. Mais l'amour qu'Adam avait envers Eve. But love and have toward Eve. La révélation qu'Adam avait envers son épouse. The revelation he didn't have toward his bride. L'amour qu'Adam avait envers son épouse. Love he didn't have toward his spouse. Il était obligé d'aller avec cette femme-là. He was compelled to go with that woman. D'aller avec sa femme pour se suivre avec elle. To have sex with his wife to be defiled with her. Afin de devenir un dans le péché. In order to become one into the sin. Et si Dieu va condamner Eve, il serait obligé de condamner aussi Adam. So if God gonna condemn Eve, he's gonna condemn also Eden. C'est ça le grand mystère. This is the great mystery. Mais, but Adam a livré le monde. He then delivered the world. Pour récupérer sa femme. To take his wife. Par là, je voudrais parler du pardon. I meant talking about the forgiveness. Il n'y a pas quelque chose, il n'y a pas un acte, il n'y a pas un péché que quelqu'un peut commettre que tu ne peux pas le pardonner. There is not something that someone can commit who cannot be forgiven. Parce que la preuve en est que Eve a été pardonné par son mari bien qu'il est allé avec une autre femme, un autre homme. The proof is he has been forgiven by her husband when she went with another man. Et le mari l'a pardonné. And her husband forgave her. Quel est ce péché là? What thing is that sin? Que tu ne peux pas pardonner à ta femme. That you cannot forgive unto your wife. Quel est ce péché là? What is that sin? Que tu ne peux pas pardonner à ton mari. That you cannot forgive unto your husband. Si réellement vous êtes unis dans l'amour et dans la révélation. If truly you get joined in love and revelation. On ne va plus considérer les petites choses de rien du tout. We won't consider the little thing of nothing. Et Dieu vous aidera à être un bon frère. And God will help you to be a good brother. Aujourd'hui, Jeff. Today, Jeff. Vous êtes en train de rentrer dans ce que nous appelons dans le langage de la rue la cour des grands. You're entering into what we call in the language of the street the courtyard of great ones. Tu as connu cette petite fille pendant que vous étiez fréquenté. You knew her while you just been dating. La fréquenter pendant qu'elle est chez elle et la vivre avec elle dans la même maison, c'est deux choses différentes. Dating and living in the same house is different. Elle te fera sortir le caractère caché. She will make uphold her hiding character out. Tu sauras très bien comment elle se fâche. You know how she gets mad. Et les caprices ne parlons pas parce qu'elle est d'abord capricieuse. And the manner you don't talk about because she lacks many manners. Mais ce n'est pas la raison qu'on doit la chasser. But it's not the reason that she was being casted. Après, c'est à toi de revenir vers elle, chérie. Tu sais que j'étais mon bébé. As soon as she starts to show off her manners, she comes to her. You know I love you, baby. Mon petit bijou. My little jewelry. La plus belle de toutes les femmes du monde. The beautiful among all the women, you know. Vous créez l'atmosphère. You create the atmosphere. Elle va commencer à sourire. And she's gonna start smiling. Elle n'acceptera pas qu'elle est la plus belle. Ya, laisse-moi là, vous les hommes, vous êtes comme ça. C'est déjà bon. Là, c'est fini, tu l'as eu, ok? And she won't accept him and say, you don't talk to me. Look at her. Mais lorsqu'elle est tendue, but when she's tense, fâchée, ma, bonjour, mon mec, si toi, si tu t'en parles, ah ben si tu te fâches, tu fais quoi? I can't play even if you get my show. Là, dans un trouble, si on se trouble, le trouble devient double. In the trouble, if you get trouble, then the trouble becomes double. Vous allez voir comment est-ce que la mari va mourir. You're going to see how the tides when I go up.
humain, il faut la sagesse. But we need wisdom. La sagesse pour comprendre. Wisdom to understand. Là, il est fâché. Then he's mad. Comment je vais la ramener? Ah, I'm gonna bring her back. Si elle aime les pots. If she likes the apples. Va vite acheter la peau. Go quick and buy some apples. Viens avec ça. And come with them. Cache-la derrière. You hide on your back. Même dans sa colère. Even into a rough. Chérieux. Ask me how you do. Les femmes ont cette manière quand elles te regardent deux fois, tu as peur. Because the women have a manner, she look two times, she got scared. Un seul coup de serment, donc c'est déjà parti de la chaussure à la tête. A little pin to her has gone to the top of her or to the head. Lorsqu'elle va faire beaucoup. When she gonna do, you know the. D'ailleurs, moi je ne sais pas faire ça, mais elle même quand elle me fait ça. So, when she, you know the lady, stop. Après de deux minutes, elle est dans l'obscur. About 2 minutes, she's been, you know, doing the lady stuff. Chercher à l'emballer dans l'atmosphère. You know, seek to take her into the atmosphere. Ramener-la dans le bon chemin. Bring her back into the good way. Et après moi, elle va sourire. And after she's gonna smile. Et c'est bien, tu as gagné. And it's good, you won over. Moi, je ne crois pas à un homme qui peut taper une femme. I do not believe into the man who can strike his wife. Un homme qui tape une femme est incapable de taper un homme. A man striking a woman is unable to strike a man like him. Il est incapable. He is unable. Est-ce qu'on peut régler le problème avec le coup de poing? Can we settle the matter with the fist? Pour l'homme, quand vous priez, quand vous commettez des mal, des mauvaises choses, est-ce que Dieu vous tue tous les jours? What is the man when he commits everything that God sees? C'est pourquoi pour aller au mariage, il faut avoir un broker. That's why to go to the wedding, you should have a pin. Ah. Il faut s'y porter. You must honor. Et ne pas vous séduire. And he cannot deceive you. Et j'aimerais vous dire que tous les jours, du 1er janvier au 31 janvier, tout n'irait pas bien. I would like to tell you that every day from the first to the third, everything won't be okay. Il y a des gens qui ont des familles et des mariages. People who are married around. Tout n'ira pas bien. Everything won't be okay. Un autre jour, vous ne comprenez pas si c'est le diable lui-même qui a fait l'atterrissage dans votre maison. Another day, we don't know if the devil landed into your home. Et vous êtes chrétien, Dieu permet ça pour engendrer en vous la tempérance. And you are Christian, God allow you to get on the temperance. Et ça arrive. And it comes. Mais on ne garde pas la colère parce que quand vous êtes en colère, ça ne doit pas faire plus d'un jour. But you don't keep the wrath because you won't stay more than a day. Faut revenir dans le meilleur sentiment. You must come back into the good feeling. C'est pourquoi la parole nous dit. That's why the world tells us. Chaque fois que l'un d'entre vous ferait quelque chose de mal. Each time one of you will do something wrong. Si vous voyez le mari, vous voyez la femme. If you see the husband of the wife, vous allez faire du mal à l'autre. You're gonna hurt the other. Voyez qu'il y a un étranger qui vous a visité. See, there is a foreigner who visited you. Qui n'aime pas l'unité. Doesn't like the unity. Qui n'aime pas voir les gens être un. Doesn't like people being one. Et c'est lui qui apporte le problème. And he's the one bringing the trouble. Pour terminer. To close up. Et je vais parler ici. I'm gonna talk here. Des manipulations invisibles. About the unseen manipulation. Ça veut dire quoi? What does it say? Lorsque la femme quitte la maison des parents pour aller chez son mari. When a woman leaves her parents' house to go to her husband. Vous avez mangé la dot. You ate the lady price. Vous avez pris le casier de bière. You take all the beer. Vous avez pris les marmites. You take all the cooking stuff. Vous avez pris les cartons de poissons salés. Of finches, ou je ne sais pas le capitaine. Or I don't know, maybe captain. Ça veut dire que vous laissez votre fille libre. It means you let your heart be low. Parce que le simple fait d'accepter la dot, ça veut dire que. Because the simple fact of accepting the lady price means that. Nous n'allons plus dominer sur cette femme. We won't rule over that lady anymore. Elle est libre. She is free. D'aller chez son mari. To go to her husband. No evil dream. Oh non, j'ai rêvé tel. Oh non, j'ai rêvé tel. Ça doit finir. Oh, I dream about this one. It must finish. Est-ce que je me fais comprendre? Do I make myself clear? Ce n'est pas une accusation. It's not an accusation. Ce sont les choses que nous vivons en tant que les pasteurs. There are things that you've been living as a pastor. Vous avez pris la dot, mon Dieu. You took the lady price. Vous avez pris la dot, les jeunes garçons. You took the lady price of the young man. Et le ventre vous bloqué. And you block the womb. Aujourd'hui, vous libérez ça. Today, you must free it. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'y a pas de raison qu'une jeune fille qui n'a jamais allé avec un homme puisse rester comme ça sans avoir un bébé. There is no reason a young woman virgin must stay with no baby. Oui, Dieu a dit à Josué, sois courageux pour des endroits comme ça. Oh, c'est le toucher, je suis courageux.
Et je crois qu'on doit être encouragé pour en parler. And I believe we must be encouraged just to talk about. Lise quitte la maison de ses parents aujourd'hui. As all our list leave the parent house today. Fini. Over. Elle appartient à un homme. She belongs to a man. Elle doit vivre le bonheur. She must live the happiness. Elle doit être heureuse. She must be happy. Elle doit avoir ses enfants. She must have her children. Elle doit être heureuse dans sa famille. She must be happy in her family. Pas de mauvais songes. No nightmares. Pas de mauvais rêves. No heavy dreams. Ces choses terminent aujourd'hui. Those things finish up today. Parce qu'elle appartient à notre famille. Because she belongs to another family. Et tout le lien familial doit être coupé. The whole family bond must be cut. Et elle doit être libre. And she must be free. De vivre en paix dans son foyer. To live in peace within a household. Amen. Amen. C'est cet avertissement que je donne toujours. It's the only warning I'm giving always. Côté des parents de l'homme. From the side of the men parents. La même chose. The same thing. Même si demain on nomme Jeff. Even if tomorrow Jeff been appointed ministre des finances, minister of the finance, par l'ordonnance sur le décret présidentiel, by the presidential decree, lorsque vous venez chez Jeff, when you come to Jeff home, avec tout le respect possible parce que Jeff est marié, with all the due respect because he's married, ce n'est pas parce que je suis la petite sœur, it's not because I'm the little sister, je peux rentrer à la cuisine comme je veux, I can go to the kitchen the way I want, je monte dans la maison à l'étage comme je veux, I go to the stairhouse the way I want, non. No. C'est le mari de quelqu'un. It's someone else's husband. Toi fais les efforts pour trouver ton mari et tu vas gérer ta famille. You do the best to find work and you're gonna manage your family. D'ailleurs, nous devons laisser les jeunes prospérer. Dites amen. On doit laisser les jeunes garçons et les jeunes filles qui se sont mariés libres de prospérer. Let the young ones get married free to prosper. We must only give them advices. Mais on ne s'ingère pas pleinement dans cette affaire. But we not get into fully into the business. Aujourd'hui, quand on se marie là, today when they get married, y a pas d'accusation. There is no accusation. Après demain, after tomorrow, oh non, le papa de la femme est sorcier. Or the father of the, oh non, le papa de l'homme est sorcier. Or the father of the man, oh non, son oncle est sorcier. Or his uncle is wizard. Vous m'évitez ça. You evade it. Moi j'ai toujours dit, I always say, que celui qui se prétend être chrétien qui a peur de sorcier ne croit pas la parole. One called Christian who is afraid of sorcier does not believe. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir sur tous les esprits. Because God gave us the power upon all the spirits. Lorsque un chrétien a peur de sorcier, when a Christian is afraid of sorcier, ça veut dire que la parole de Dieu n'est pas dans son cœur. I mean the word of God is not into his heart. Est-ce qu'on peut dire amen? And we say amen. Donc nous voulons que ce jeune couple prospère librement dans la paix. So we want that, that young couple prosper freely into peace. Et nous devons les conduire. And we must lead them. Je vais parler à Liz. I want to talk to Liz. Je suis en train de terminer. I am closing my speech. Si tu prêtes l'oreille à tout ce que les gens vont vous dire, if you heard everything people are going to tell you, vous allez repartir chez papa et maman Badinga. You're gonna go back to father and mother Badinga. Papa et maman, si lui se revient là-bas, vous la chassez. Father and mother, if Liz comes around, you cast her away. Elle n'a plus de lit là-bas, elle n'a plus d'assiette là-bas pour manger, elle n'a plus rien. She has no plate, no bed to sleep, she got nothing left. Allez, retourne chez toi. Go back to your place. How about? Oh, mother. Voilà Jeff comment il fait. Here the way Jeff is. Voilà comment il m'a fait. Here has the act. Voilà comment il m'a fait. Here has the act. Il m'a même griffé. He has even put his hand. Il m'a même insulté. He has insulted me. Pourquoi tu es allé en mariage? Why have you gone to marriage? Ça veut dire que tu es mûr. Tu peux supporter ces choses. It means you mature. You can handle those things. Il faut prendre seulement le cœur. You must only take the heart. Mettre là-bas dedans. Put in there. Et tu supportes. And you handle. Jeff. Jeff. Les erreurs de la femme, the woman mistakes, on ne parle pas ça à quelqu'un d'autre. We do not say unto someone else. Ça reste dans la maison. It stays in the house. Un vrai chrétien, hey, true vrai chrétien qui sont unis dans le mariage chrétien, leur discussion ne sort pas au salon. John, into the Christian wedding, the argument doesn't come out in the living room. Et ça ne se passe pas à 18h, 19h, 20h, là tout le monde va écouter. And it doesn't happen until 6, 7 or 8 p.m. Everybody gonna listen. C'est dans les heures tardives. It's into the lateness hour. D'ailleurs, on ne se parle pas, on est en train de se parler. Though we don't fight, we only have chat. Je peux y répondre. Honey, stand up. D'ailleurs, on s'assoit. And let's see.
Je suis pas là pour te condamner. I'm not there to condemn you. Et voilà tel acte, tel acte que tu as posé, ça m'a fait du mal. Here's such act that you lay, hurts me. Si elle a le Saint-Esprit, elle reconnaît le tort dès l'instant. If she got the Holy Ghost, she will be wrong. She n'a pas argumenté. She won't search on arguing. Oh, chérie, excusez-moi, pardonnez-moi. She's gonna say, honey, excuse me. Pourquoi? Why? Une réponse douce calme la colère. A sweet, calm answer calms the wrath. Lorsque vous voulez argumenter là où tu as tort, but when you want to argue where that wrong, c'est là où il y a le problème. Is there you got into trouble? Donc devant Dieu, devant l'État, devant les familles, vous vous présentez aujourd'hui comme étant des hommes sages. So in front of God, the family, the state, to show yourself in being. Vous savez que la sagesse n'a pas de l'âge. Hein? You know, wisdom has no age. Ce n'est pas la taille qui fait la sagesse. It's not the height making. Vous pouvez voir une personne comme David, un petit mais il a dirigé toute une nation comme Israël. You can see a little guy like David ruling a nation like Israel. Une personne comme Salomon pouvait diriger toute une nation comme Israël. A person like Solomon can rule all the nation like Israel. Parce qu'il était sage. Because he was wise. Okay. C'est cette sagesse là qui vous aide. That wisdom is going to help you. Merci, que Dieu vous bénisse. Thank you. May God bless you. La Bible dit, the Bible says, l'homme quitte son père et sa mère. The man leaves his father and his mother. Il s'attachera à sa femme. And will join unto his wife. Et les deux deviendront une seule chair. And both will become only one flesh. Nous demandons à Jeff. We ask him unto Jeff. Jeffersonville. Jeffersonville. De quitter son père et sa mère. To leave his father and his mother. Et tu dois être capable d'accompagner par quelqu'un. Tu peux bien habiller. And you must be along with someone. C'est un petit s'appelle. Nous demandons à son parent de l'accompagner. We ask him unto his relatives to come. Sur les informations, s'il vous plaît.
Merci beaucoup. Thank you very much. Mesdames, Mesdames et Messieurs, chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici ce soir pour unir ce jeune homme à cette jeune fille dans les liens sacrés du mariage. Et si parmi vous ici, il y a quelqu'un qui a un motif valable qui empêcherait à ce jeune, à ces deux jeunes, de s'unir, qu'il le déclare maintenant. Sinon, il fermera sa bouche jusqu'au jour de la mort. Si quelqu'un dans la salle a un motif valable qui les empêche de s'unir, qu'il le déclare. C'est-à-dire, parce qu'on peut se soulever comme ça, ça veut dire que Jeff était marié à une femme. Jeff got married to a woman. Personne. No one. Acclamez Dieu. Give it up to the Lord. Je vous demanderai à vous deux. I will ask you to both of you. Si quelqu'un, if someone, a un motif valable, got a valid motive, qui peut empêcher cette union, who can prevent that union, qu'il le dise maintenant. Let him state it now. Parce que tout mariage, because each marriage, est né en dehors des lois sacrées, joined out of the sacred bound, en dehors des lieux sacrés, is out of the sacred bound, ces mariages sont nuls. His marriage is null. Si vous avez un motif valable qui vous empêche de vous marier, if you have a motif valable, déclarez-vous maintenant. Tournez les regards. You may stop, you may look at each other. Pouvez-vous tourner? You can look each other. Avancez un peu ici. Get closer. Faites-moi reculer, monsieur. Ah. Si vous avez un motif valable qui vous empêcherait de vous aider. If you have a motive will prevent you to get married. Non, papa. Il n'y a pas de motif. No motive. S'il y a un motif valable qui t'empêche de tenir en ce temps. Non, pasteur. Il n'y a pas. Acclamez ta force. Give it up for the Lord. Pasteur Charles. Nous vous demandons d'unir vos deux mains. We are asking you to join both your hands. Vos deux mains droites. Your both right hands. Serrez vos deux mains droites. Join both your right hands. Nous plaçons notre ami bien sûr. Nous prenons d'abord Matthieu 19. We'll take the book of Matthew 19. Il ne faut pas. C'est pareil, ça que Dieu a élu. Do not spread what God joined. Ok, ça tombe. Pasteur. Pouvez-vous mettre vos bagues ici? Can you put all your rings there? Vos deux bagues. Off of your rings. Bague mariage. The wedding ring. Merci. Allez. Ouvrez. D'accord. Ok. D'accord. Nous voulons vous poser des questions. We will have to question you guys. Et vous allez nous répondre sincèrement. And you're gonna answer us frankly. Si c'est pas bon, tu nous le dis. If it's not good, then. Bien-aimé frère Jeff. Beloved brother Jeff.
Acceptez-vous ce soir. Will you accept tonight? De prendre cette jeune fille. To take that young lady. Badinga Liz. Badinga Liz. Ah, elle est lisse, n'est-ce pas? She's, you know, sweet like lisse. Elle est lisse? Oui, elle est lisse. Yes, she's lisse. Voudrez-vous la prendre comme votre épouse légitime? Would you like to take her like your legitime bride? Vivre ensemble dans les liens sacrés du mariage. To live together into the sacrament matrimonial. Promettez-vous devant Dieu et devant les hommes? Will you promise in front of God and man? De l'aimer. To love her. De la chérir. To cherish her. De la chérir. To cherish her. Aimer, il n'y a pas de problème. Love is no problem. Mais chérir, c'est là où il y a le problème. Is there the problem comme cela? Mettez-vous de l'aimer. Would you promise to love her? De la chérir. To cherish her. Dans les biens. In good. Dans les mal. In sickness. Dans le bonheur. In the happiness. Dans la pauvreté. In poverty. Dans la santé. In the health. Dans la maladie. Into the sickness. Promettez-vous devant Dieu. Will you promise in front of God? Abandonner toutes les autres femmes. Or forsaken all the other women. Pour vous attacher à elle. To get attached unto her. Et à elle seule. And to her alone. Aussi longtemps que vous vivrez tous deux. As long as both of you live. Jusqu'à ce que la mort. Until that death. Vous sépare. Spread you. Tu as bien compris ma question. Have you understood my question? Est-ce que tu le promets? Do you promise it? Avec la force de toutes mes convictions, je dis oui. Mais encore votre frère. Avec toute la force de cette conviction. Lispalinga. Approuvez-vous de prendre comme époux légitime. Jeff, will you accept to take a legitimate husband, Jeff? Vivre ensemble dans les liens sacrés du mariage. To live together in the sacred matrimonial bond. Promettez-vous devant Dieu, devant les hommes, de l'aimer. Do you promise in front of God and men to love him? De le chérir. To dear him. Dans le bien. In the good. Et dans le mal. And in the bad. Dans la pauvreté. In poverty. Dans la richesse. And in wealth. Dans la maladie. In the sickness. Et dans la santé. And in the good. Promettez-vous d'abandonner tous les autres hommes. Même celui qui t'a regardé ce soir quand tu étais au salon de coiffure. Pour vous attacher seulement à lui. Et à lui seul. Aussi longtemps que vous vivrez tous deux. Jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que tu le promets? Do you promise it? Oui, je le promets de tout cœur. Elle a dit oui. She said yes. Et il a dit oui. And he said yes. Ça y est. That it. Que personne. Let no one. Ne sait pas ce que Dieu a dit. May separate what God told. Ça y est. That it. Amen. Amen. Pour nous montrer que vous allez tenir ces belle parole que vous avez sorti ici. To show us that you're gonna hold those nice words that you just. Nous demandons à l'homme. We asking unto the man. De placer sur le doigt de sa femme. To put upon the finger of his wife. Cette bague du mariage. This wedding ring. Qui montre que je tiendrai mes paroles. Showing that I will hold my word. Et c'est une alliance. And it's a covenant. Inséparable. That you cannot split. Vous devenez un couple éternel. You become an everlasting couple. Si tu prouves vraiment, tu acceptes de tenir ce que tu as dit. If you accept to hold what you say. La bague est là. Here is the ring. Et tu la poses. And you lay it. Et pendant que tu vas la poser. And while you're gonna lay it. Tu vas dire à Lys des paroles inoubliables. You're gonna say unto Lys on the forgetful words. Donc lorsque elle va entendre ça, elle va pleurer. D'accord. When she's gonna hurt, she's gonna cry. Il faut la dire des choses. Tell her things. Hein? Prouvez vraiment que tu es Jeff. Only prove that you are changed. Allez donner le doigt. And give your finger. Allez, tu l'as dit des choses. Tell your face. Amen. C'est pas brisé. Son doigt est libre. Elle n'est pas mariée. She
She's not ready. Finger is free. Allez, donnez-la, mais fais vite là, on va partir. Attendez, micro. Douce, ma petite. Mon bébé, mon choix, mon bonheur, mon yaourt. Ce soir, comme la première fois j'avais vu mon pasteur, j'ai dit je ne peux pas vivre sans l'Hispaniga. Je dois épouser l'Hispaniga. Et je suis parti dans la vallée de Zungue, là où je suis parti chercher l'Is. Vraiment, tu es une fleur rare. Tu es l'invention politique que Dieu a créée. Tu es mon bonheur. Tu es mon choix. Tu es tout simplement magnifique. Je te promets d'être à tes côtés dans chaque péripétie de ma vie. Je te promets. Je ne pourrais plus aller à France ni à Rwanda sans toi. David dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et tu es ce bonheur-là. Et si je pouvais appeler l'Académie française pour qu'à côté du mot bonheur, qu'on mette ta photo. Voilà, je vous remercie. Comme si je n'ai pas été quitté, je serai toujours là pour toi. Dans les mauvais moments, dans les bons moments, je t'aime ici. À faire à un poète. Ça, c'est un poète. This is a poète. Je savais que ça devait être comme ça parce que haut oh, c'est toujours haut. Oh, oh, oh. Nicolo. Ok. Alright. Et puis, c'est écouté comme ce qu'il me dit pas. C'est fort, il a frappé fort. You heard, like he said, strongly. Nous laissons le temps à Lisbonne. Bandinga. Now we're giving the time to Luis Bandinga. Ouais, nous allons voir comment est-ce que Chibanga parle. We're gonna see how Chibanga is gonna do the talking now. Faut renverser la tendance. We must overflow the tent. Allez, nous demandons à Luis de prendre son alliance. Let's go to the ring. Et de poser cela sur le doigt de Jeff. And fix it upon Jeff. En lui disant les belles paroles. Very nice word. Ça y est, allez, c'est parti. This is it. Let's go. Même si tu ne parles pas à la maison, si tu ne parles pas, je ne mène pas le mariage. Tu dois parler. You must talk today. Thank you.
moi je ne comprends pas. Ça, vous venez d'écrire aujourd'hui une très belle histoire de votre vie. You just wrote a very story of your life. Et je vous remercie. And I thank you. Pour avoir honoré la parole. For honoring the word. Et Lys. And Lys. Je te remercie. I thank you. Pour avoir gardé ta vie. For keeping your life. Pour avoir gardé ton corps. Keeping your body. Et ne pas avoir donné ça à quelqu'un. And not giving it to someone. Félicitations, ma fille. Congratulations. C'est rare aujourd'hui de trouver les jeunes filles vierges. Hein? It's very hard today to find young virgin ladies. Mais derrière la parole. But behind the word. Il faut une église. And in the church. Qui se tient à la parole. Standing into the word. Et c'est un travail que je fais. It's a work that I've done. La famille Badinga, c'est ma famille. The family Badinga is mine. Ses enfants étaient petits. Children was leader. Je les ai cadrés dans la parole. I squirt them into the word. Et aujourd'hui, elle m'a honoré. And today she honored me back. Félicitations encore. Congratulations again. Merci. Posez vos mains sur la Bible. Lay your hands upon the Bible. Attendez, la femme pose sa main. The woman, the wife first. Et le mari pose sa main. And her husband is hand. Tournez le dos à l'ensemble et vous me regardez ici. And you turn about to the assembly and look. Ok, donc regardons le lever du soleil. We look upon the rising sun. Pourquoi? Why? L'évangile vient par l'est. The gospel comes to the east. Et nous mettons nos mains au-dessus de vous. Put your hands above you. Parce que nous sommes les représentants légaux de Dieu. Because we are the legal representatives of God. Vous êtes amen. Nous prions pour vous. And we pray for you. Dieu tout-puissant. Almighty God. Créateur des cieux et de la terre. Nous sommes venus ici pour consacrer le mariage de ces jeunes couples. Quelque chose qui est rare dans cette génération. Mais tu les as gardés. Tu les as protégés. Tu les as préservés pour qu'aujourd'hui ils soient unis selon la parole. Nous vous remercions. We thank you pour l'avoir fait. For having been so. Tu l'as dit dans la Bible. You said it to the man quitte son père. The man leaves his mother. And his mother. Il s'attache à sa femme. And get joined to his wife. Et les deux deviendront une seule chair. And both become only one flesh. C'est pourquoi notre Dieu, en vertu des pouvoirs que tu nous as donnés, nous déclarons lisse. We said lisse. Avec son époux Jeff. With her husband Jeff. Il naît dans les lieux sacrés de mariage. Dans le tout puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, ouvre les portes de leur vie. Qu'ils soient heureux. Qu'ils soient féconds. Qu'on puisse avoir une postérité. Que tu les bénisses à l'extrême. Matériellement. Physiquement. Seigneur. Lord, spirituellement. Oh, financièrement. Que tu puisses les bénir. Et qu'ils soient un couple heureux. Comme Abraham et Sarah. Ils soient un couple heureux. Comme William Branham et Beda. Ils soient un couple heureux, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Que tous les liens de famille soient brisés au nom de Jésus. Et je les déclare. Par la commission que l'ange m'a donnée. Ils sont un. Dans leur corps. In their body. Esprit. Spirit. Ah. And so, dans les pensées, in the thought, qui deviennent un, let them become one. Donnez-les beaucoup d'enfants, give them many little children, des beaux enfants comme les enfants de Job, and beautiful children like Job, et libérez le Seigneur, and free them, Lord, de tout ce qui est lié négatif, of everything negative bound. Aujourd'hui, la parole de Dieu que nous prêchons, today the word of God that we preach, brisez pour les liens au nom de Jésus-Christ, bring them all the bond in the name of Jesus Christ, et les unis dans un mariage heureux. Et qu'ils soient violés par l'ange du Seigneur pour les accompagner to tag along dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Je les ai priés. I so pray. En les déclarant unis. By saying them unite. Pour la gloire de Jésus. For the glory of Jesus. Amen. Amen. Merci. Thank you. Merci beaucoup. Thank you much. Là, nous allons passer au moment le plus. Now we're going on to the most touching moment. Ha.
Le petit commence à suer déjà la bouche, c'est fort. Nous vous demandons de vous approcher. We ask you to step forward. Approchez-vous un peu. Step forward. Et nous demandons à Jeff de nous montrer la beauté de sa femme. And we ask him to Jeff to show us the beauty of his wife. Est-ce que vous pouvez nous mettre une douce musique? Can we have a little sweet music? Une douce musique où il n'y a pas de cœur. A sweet music with no. Oh, Rebecca, allons-y. Doucement, doucement, s'il vous plaît. Allez, allons-y, lui, il va monter la le voile. Allez, c'est parti. Tu as peur? Vas-y. Voilà. Allez, donnez-lui la pochette. Donnez-lui mon cher frère. Allez, vas-y. Tu le suis bien la figure, ok? Je dis d'oublier là parce que je ne vais pas voir. Allez, c'est parti. Doucement, doucement, petit. Bon, je pense que c'est pas bien. Je demande à Bébélisse de soulever la tête comme ça. Hein? C'est bon? I think that's what to do.
à l'homme et tu donneras ça aussi à son épouse. C'est une attestation de mariage religieux. It's a license, religious wedding. Pour avoir fait un bon parcours. For having a good sans erreur, sans redoublement. Et vous méritez ça. Après vous donner votre épouse. Elle va se revoir et vous attraper. Allez, photo, WhatsApp. C'est bon? Yes, sir. Vous êtes good? D'accord. Alors, vous descendrez ici en bas. Je prends les quelques photos que vous allez mettre dans votre album. Et après, les parents vont venir pour faire photo. Allez, attrapez-vous la main. Prenez votre diplôme. Allez, avancez. Tapez le mien. Il n'y a plus de vide. Non, c'est pas bien. On va te l'arracher. Voilà. Amen. Allez, musique.